That 11-year-old girl did not ask you to be born. She did not force you to marry someone you didn't love. But she is the one paying for it, and you are running out of time to fix it. So grow up. Show up. Be your father. Quoi? Je pensais tourner ton entrevue ici. Pourquoi? Le département municipal t'a déjà booké? Ça fait poésie urbaine. Regarde, ça fait vivant. Oh, pour être vivant et poétique, ça l'est. Baudelaire doit faire des flips dans sa tombe. Il faut que tu vois la ruelle comme... comme un personnage. Un personnage? Mais tu feras ton entrevue avec la ruelle. Parce que si c'est moi que tu veux interviewer, ça va prendre une table, une chaise, une recherche épaisse de même, puis des questions avec de la viande dessus. Comprends-tu? Je cherche juste à montrer une autre facette de toi. Qu'est-ce qu'elle a, ma facette, là? De casser ton image de femme de fer. France, n'importe quoi. I want to see Dr. Brooks. She's dead. Dr. Brooks died a couple of weeks ago. You're not in the charts. She was treating you under the table, right? She was giving you the medicine for your asthma. You're not in trouble. When you run out, come back. You'll find me. I will be your doctor now. Are you as good as she was? No. But I will be. Oui, que voulez-vous? Avec son petit souci de testicules supplémentaires, ça, moi, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours prévenu ses petites amies. Mais je ne sais pas pourquoi elles sont toujours parties en cours. Oui, madame, ma candidature. Ah oui, oui. Vous êtes très bien dans votre genre, mais il faudrait songer à cesser... la fumette. Votre honneur, ce n'est pas un secret que ma réputation a souffert ces dernières années. J'en prends l'entière responsabilité. Mais je ne permettrai pas que, pour cette raison, on refuse à mon client un procès juste et équitable. Racism is built into the DNA of America. And as long as we turn a blind eye to those suffering under its oppression, we will never escape those origins. Commencer une recherche en préparation de l'entrevue? Non. On va suivre mon plan d'entrevue. OK. C'est quoi ta première question? C'est quoi ma couleur préférée? Mon émotion préférée. Qu'est-ce que j'amènerais sur une île déserte? Oh non, je le sais, tu vas vouloir me parler de mes divorces. C'est tellement humain. Pas ça pantoute. J'aurais voulu t'entendre sur ton expérience de la maternité. Fais un show sur l'échec.